Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Nous sommes actuellement à Nice pour un départ à vélo sur deux jours. On va essayer de rallier Marseille, donc dans le week-end. Allez, c'est parti! Voilà, nous sommes arrivés à Cannes, donc première étape, donc 31 km, 32, donc un parcours plat, 80% sécurisé. Et maintenant, on va direction Fréjus, par le massif de l'Esterel, là ça va être beaucoup plus dur. Et là, on voit le massif de l'Esterel où on va passer tout à l'heure. C'est dur, hein. Dernière portion là pour rejoindre le col. Dur. Ah, pour monter à ce col, il fallait de la volonté. Hein. Avec les sacoches, ça tire. Bon, c'est beau. Hein. Allez, petite pause repas à Fréjus, donc on s'est arrêté à Proxy, on a pris des bananes, enfin, il faut se ravitailler. Et là on repart cette fois sur Sainte-Maxime. Sainte-Maxime! Plus de 100 km parcourus, il nous reste 30 km pour rejoindre le Lavandou. Les sangliers qui sont là, quoi. C'est énorme. Avec les petits. Pause. La pluie s'invite sur le parcours, donc on a sorti les imperméables. Là, je suis complètement fan de ces passages. C'est super. Le Lavandou, voilà, enfin arrivé. Quelle journée de folie. C'était difficile vers la fin, mais franchement, la piste cyclable est vraiment sympa jusqu'au Lavandou.
Donc en fait, ça fait oublier toutes les douleurs qu'on a dans les cuisses et aux fesses. Et franchement, vivement demain pour continuer cette superbe aventure. Et maintenant, pizza. Allez, il est 7h30, c'est l'heure de partir pour une nouvelle journée, direction Toulon en première étape. Ah, notre vitesse moyenne de 16 km/h est bien descendue, hein, je pense. Donc là on est sur la route des crêtes, je peux vous dire que ça pique. Hein. Donc on y va, mollo, virage par virage. Et petit à petit on verra le bout. Donc là on voit Cassis et après on voit aussi la route de la Gineste qu'on va prendre tout à l'heure. Maintenant descendre sur Cassis. Donc là on n'a plus de jambes. Hein. Donc on monte en marchant à côté du vélo. Allez Amiens, c'est la Gineste. Yeah! Bravo Lamia. Tu l'as fait. Et voilà. La Gineste. Maintenant c'est 11 km de descente jusqu'à Marseille. Donc d'agnognotte quoi, avec tout ce qu'on a fait. Tiens, féliciter la mienne parce que c'est sa troisième sortie. Elle va nous dire un mot sur cette magnifique aventure. Je me suis régalée. Je suis contente d'avoir vécu un petit échantillon de tes aventures extraordinaires. Et tu es une femme extraordinaire. Dans des aventures extraordinaires, comme le dirait notre ami Abdé.